Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du Let's Play sur Yooka-Laylee. On reprend à peu près là où on était arrêté, c'est-à-dire juste à la sortie de la caverne où on avait vu un monstre avec un grand haut de forme qui nous a du coup appris à manipuler le tir qu'on a débloqué. Je précise que du coup que maintenant je joue à la manette et c'est vrai que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile à diriger, surtout la caméra. Enfin bref, on est parti du coup. Normalement on est censé pouvoir, on va réessayer. Bon, il n'y a pas de bête, tant pis. Donc on a débloqué deux, on a trouvé deux, vous savez les cochons chevaliers là. Il y en a 3 ou 4, je ne sais plus. Je vois qu'il y a des petites plumes là-haut, on va aller les chercher. Donc on continue notre exploration. Hein, D'accord. Ah d'accord, ok. Donc là l'objectif c'est vraiment de... Wow. De réussir à attraper tout ça. Wow. C'est compliqué d'ailleurs. D'attraper toutes les pages, d'attraper tout ce qu'on trouve. C'était là je crois. Bon, petit test, petit craquage déjà. On fait un maximum de petits jeux sur cette partie là et puis on verra quand on aura l'impression d'avoir fait le tour. Sachant que, oui, chose que vous n'avez pas pu voir du coup, parce que en fait, en ouvrant le jeu, je voulais tester avec la manette et en fait on est apparu dans la ruche à l'endroit où on a sauté sur le livre pour arriver dans cet univers là. Et en fait, une des pagies nous a expliqué que soit avec un certain nombre de pagies, on peut débloquer un autre tome qui nous permet d'aller dans un autre univers, soit on peut agrandir cet univers-là et du coup rajouter des parcelles en fait de terrain pour agrandir et pour débloquer de nouveaux mini-jeux, de nouvelles plumes, plein d'autres choses. Et donc là, on a 7 pagies. Qu'est-ce qu'on pourrait débloquer avec ça? Eh bien, moi j'aimerais bien aller voir ça. Du coup, ça nous permettrait de rester dans cette zone-là, mais de l'agrandir et donc d'aller voir autre chose, de tester d'autres mini-jeux, j'imagine. Là, il y en a un. Ah, il y a un truc qui parlait là. Alors du coup, je sais pas si je continue à lire ou pas. J'imagine que les voix que j'essaie de faire sont pas top, donc je vais peut-être me taire. Et je vous laisse lire du coup. Le crado du jeu. D'accord, le Capitaine B nous connaît déjà apparemment. On lui pose déjà des problèmes. Docteur Puzz. D'accord, c'est une traître, elle fait partie de la ruche. En fait, tout le monde fait partie de la ruche, mais il y a des bons et il y a des méchants, je pense. Scientifique de la ruche, ouais. Donc Quack, c'est le... Docteur Quack, c'est le bras droit, c'est le serpent, là. Yooka-Laylee, what's the lady? Ah bon, elle a des problèmes avec ses tentacules? Bah elle a deux mains quoi. Ce qui est assez bizarre mais... Ah c'est le truc qui est en face, l'espèce de canon là. De transformer. Docteur Quack. Elle a fait un prototype. Il transforme en quoi? Un monstre à tentacule. La molle est cool. Ah, c'est le truc qu'on a dans le menu là, l'espèce d'atome. Rayon ADN. Ça m'inquiète un peu tout ça. Ce qu'on peut, mais merde. Avec des bernacles, ouais. Donc il nous faut la molécule, je ne sais pas où est-ce qu'elle peut être. J'imagine que c'est ce qu'on a à droite là, une espèce d'atome au-dessus de la pièce de Rextro.
Ouais, ça, Rexo. Là-haut, il y a plein de choses. Comment y accéder? Il y a une bâche d'ailleurs, je crois. Comment est-ce qu'on accède? Par ici, non? Peut-être par là. Pardon, c'est vous. Oh. Est-ce que là-haut il y aurait pas un accès ici là? Il y a une plume déjà ici? Ah bah c'est la plume qu'on avait essayé d'avoir je crois. Ok, il y a ça grimpe. Ok, je crois que c'était pas la bonne idée. Comment on fait pour aller là-haut? On ira chercher l'autre au fond là-bas plus tard. Ah peut-être ici. Avec ce truc là, mais comment on fait? Non. Je ne sais pas. Je vois qu'il y a le fantôme là-bas. On va essayer de le chercher lui. Parce que comme ça on sait qu'on doit le faire. Petit raccourci, je sais pas s'il était prévu. Viens là toi. Ah, peut-être qu'en lui tirant une des billes là dans la bouche, c'est dégueulasse, mais peut-être que... Je sais plus comment on fait par contre pour tirer. Ça? Yeah! C'était ça! Il suffisait de le nourrir. L'andouille. Bon, on a réussi une chose de bien. A priori, là, il n'y a plus rien. Il y a encore un totem qui dort, là. Il y a encore un autre là-haut. Et à mon avis, il débloque les passerelles, mais... Ah, là-bas il y a quelque chose. On va essayer de se concentrer là-dessus. Par contre, comment accéder à tout ça? Si, à droite là-bas, mais... Donc ça on l'avait fait, ouais. Ça on avait réussi. Ouais non, en fait ça doit être à partir d'ici, ensuite on peut accéder par là. On a 37, on va aller voir comment il s'appelle déjà, je sais plus. Trobuzer, voilà. Sonar d'attaque, bah, de toute façon c'est... des super tirs sonores pour dévoiler les secrets. On va essayer ça, si ça peut nous faire dévoiler quelques secrets. Nya 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 nya, oui, 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 oui. Nous sommes prêts à prendre, je crois. Battre le boss du monde 3. Si c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut le battre, ce serait dommage de le spoiler. Wow, ça clash. Je vais utiliser Y. D'accord. Ah bah voilà, bah voilà, bah voilà. On a bien fait d'y aller. Je pense que les totems sonars, c'est les trucs qui dorment là. On a de la chance un petit peu parce que c'est... Enfin, faut y penser quoi. Chaque tir vide votre jauge de puissance. Ça marche. Non, non, 18 mois c'est trop long. Ok, bon, bah voilà, on a réussi. Ouais, 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 ouais. Du coup, triangle. Ben, Y. C'est ça. Yeah. Yeah, 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 on va avancer, enfin.
Hop là, la caméra qui s'en va. La caméra qui a... qui est complètement changé de bord. La caméra sous le sous la plateforme, c'est pas mal. Donc voilà, on a réussi à aller à un nouveau palier de ce bâtiment. Oups. Sacré langue si tu veux. Bon bah du coup voilà, on est parti. Au cas où. Ah bah voilà, en plus on a le machin là, le molécule. Mais tout va bien, tout va bien. Ça marche. Il est où? Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Hein. Allume la machine. Non, je suis absolument pas sûr du tout du coup de ce laser là. Finir sur un plateau sushi, ouais, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Non. Yeah! Stylé! Non, c'est pas un tyrannosaure, non? Pour utiliser ton pulvérisateur de plantes. Ah! C'est tellement classe, quoi! Là, on était un petit peu bloqué et au final, on change de forme carrément, quoi. C'est tellement classe, j'adore! Yeah, yeah! Et c'est un mix des deux quoi, regardez, il y a la tête de la chauve-souris qui sert de pistil là, et puis nous on fait le reste de pétale. C'est tellement bien fait, c'est tellement classe. Qu'est-ce qu'il dit? Bah non, non, non. On est tout récent, on est nouveau. D'accord. En plus il fait un petit peu de drague et tout. Bah moi ça me va. Mais qu'est-ce que... Yaaaah yeah. On en met une dose? Non. J'ai bien assez. Dans le temps. Cours, cours. Ça j'adore, le fait de se transformer comme ça, c'est génial. Et en plus c'est tellement bien fait, les personnages sont tellement drôles. Yes, on a réussi. 3 sur 6. Par contre, niveau plateforme, avec ça, c'est pas top. Hein. Je sais pas comment est-ce qu'ils veulent qu'on arrive là-haut. Ça va être galère. Ah! Peut-être qu'on pousse ça, voilà. Allez, vire-moi ça. Voilà, ok, ils ont pensé à tout. Yeah, 5 sur 6. Où est la dernière? Où est la dernière? Au bout là-bas, je suppose. Par là. Ouais. Mais de rien, ma belle. Ils ont succombé à notre charme, dis donc. Que de romantique. Une page, une page, une page. Ouais. Une page de plus. J'adore, j'adore, j'adore. Ce personnage-là m'a bien marré. Avec son pistil en chauve-souris. Là. Bon, et maintenant, par contre... est-ce qu'il y avait d'autres fleurs comme ça? On peut attaquer les ennemis avec ça?
On va retourner en version normale et si jamais on retrouve d'autres petites plantes comme ça, voilà, on reviendra là et puis on ira jusqu'à l'endroit où elles sont. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir des idées comme ça. C'est encore une fois, c'est tellement bien foutu. Waouh! Qu'est-ce que ce trou béant? Ah, il y a un passage ici. Il y a plein de trucs là-bas, on va aller voir. C'est la borne d'arcade. Alors, honnêtement, le jeu borne d'arcade, elle est tout seul en tout cas. Hein. C'est pas top. Hein. Je sais pas pourquoi ils nous le font faire alors qu'on est tout seul. Et que c'est un jeu de course. Et qu'un jeu de course, c'est toujours mieux à plusieurs. Je sais pas. En tout cas, c'était pas la folie. Par contre... Ah d'accord, ok. On peut y accéder qu'en montant là où j'ai un petit peu galéré la dernière fois. Je pensais qu'on pouvait y accéder malgré tout, mais non. Alors, on a dit qu'il y avait des feuilles là-haut, enfin des plumes, pardon. Hop. Où est-ce qu'elles sont les autres? La musique est cool. Ah ouais, on pourra pas aller assez haut pour... Ouais, on va galérer je pense, à moins que par là on puisse y aller. Attention, on a réussi, mais quelle habileté, quelle classe. Ah d'accord, ok, on peut enchaîner les tirs. La musique est grave sympa. Non, 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 non. Non, non, non. Une fois, mais pas deux, monsieur. On va grimper là-haut. Et ça passe. On va aller du coup... l'autre côté là-bas, on va réveiller les mecs qui dorment, les totems endormis là. Alors, on a dit qu'il y en avait... je crois qu'il y en avait par là-bas. On va juste aller vérifier ça de là-haut. On en voyait tout à l'heure. Il y a encore une plume là-bas. Ah mais attendez, on peut pas aller encore plus haut? Toujours plus haut? Parce qu'il y a l'air d'avoir des sacrés sommets sur ce bâtiment. Ah ah ah, je vais te manger. Moi, ouais, j'aurais dû tester le... sonar. Ok, ça les sonne. Normal. Par contre... Il y a un... Il y a du vent là-haut avec plein de pages. Écrivant plein de pages. Comment on fait pour y aller? Est-ce qu'on peut y aller déjà? Oui, on peut y aller, il y a des plumes. Comment y accéder? Après, j'imagine qu'on peut pas accéder à tout de suite. Bon, bah tant pis, on verra ça plus tard. D'ailleurs, il va être déjà le temps de terminer cette vidéo. Mais de toute façon, vous savez bien que la suite arrive très vite. Donc là, j'essaie d'avoir une... vitesse de croisière d'après 2 vidéos par jour, mais je sais pas si jamais ça bon, voilà, vous faites un peu spammer par les vidéos ukulele de ma chaîne, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de diminuer, de faire une par jour, voilà, n'hésitez pas à me dire hein, voilà, s'il y a des soucis à ce niveau là n'hésitez pas à me dire également si vous préférez que je lise encore une fois ou pas, et puis voilà, donc je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît d'une manière générale, partagez, et on se dit à très bientôt pour la suite de cette vidéo, de ce let's play. Ciao ciao.